boulot, je l'ai fait, enfin, comme le frère algérien qui est là. Ah bon ? Tu peux me voir à 20 ans de distance. Oui. C'est exactement ça que je faisais, boulot de terrassement. Et puis, enfin, on n'a qu'à tourner la tête. Oui. Moi, c'est ici, il y avait des bancs. Ah bon, là où ils sont en train de tout démolir, hein ? Oui, alors le dimanche, c'était terrible, justement. Les mêmes Algériens qui travaillent sur les chantiers, bon... Ici, c'était des journées d'ennui, de présente tristesse, où on pensait au pays, où les travailleurs étaient assis sur des bancs, par d'autres de 4, de 5, le plus souvent silencieux. Mais tu avais quel âge à l'époque ? Oh, j'avais 18 ans. On peut dire qu'il y a eu, enfin, dans mon monde premier, il y a eu, bon, disons, l'institutrice française et ma mère, en perpétuel conflit d'ailleurs, parce que c'était deux mondes. Ma mère, c'est l'Algérie, bon, pieds nus à la maison, avec une longue robe, parlant une autre langue, et une autre langue, et puis l'institutrice, en talons hauts, 20e siècle, pays dominateur, prestigieux, la France, enfin bon, c'est-à-dire, c'était vraiment le monde supérieur, si on veut, mais un monde encore lointain, dont je me rapprochais peu à peu, et au détriment du premier, forcément, parce que celui que je préférais, c'était le monde de ma mère, mais plus l'école m'intéressait, et plus fatalement, je me détachais de ma mère. Alors ça créait un conflit en moi, enfin, mais comme je disais, bon, dans la jeunesse, on assume que très souvent les conflits sont de comprendre. Ça a éclaté plus tard, mais bon. Ensuite, il y a eu un ordre, un tout autre ordre de choses, c'est que, bon, les événements qui allaient aboutir à l'insurrection, mais qui à ce moment-là n'avaient pas encore toute leur signification, ont éclaté pour moi dans mon cerveau d'écolier. Je me suis retrouvé avec des camarades étudiants assétifs. Il y a eu un massacre, on peut dire. Moi, j'ai été emprisonné avec d'autres. Et on a failli être fusillé, etc., très vite. Quel âge tu avais ? J'avais 15 ans. Il y a eu à ce moment-là une prise de conscience brutale, parce qu'en prison, et puis ensuite au camp de concentration, j'ai vu pour la première fois les gens du peuple. Je les ai vus de près, entre quatre murs, et je les ai entendus parler. Et j'ai découvert d'abord que la poésie, c'était eux, finalement, c'était vraiment eux, parce que leur vie était chargée de poésie, ce qu'ils disaient aussi. Ça m'a ouvert vraiment une brèche pour plus tard, parce que quand j'ai découvert ces hommes, qui étaient les hommes de la rue, que jusque-là je ne voyais pas, le chômeur, l'ouvrier, le paysan, le fedlar, qui jusque-là étaient absents dans l'univers des colliers, puisqu'ils étaient formés en langue française. Après avoir fait, tout à fait au début, quelques mois d'école coranique, mais très peu. D'ailleurs, j'ai expliqué ça dans le polygone étoilé, enfin, j'ai essayer d'expliquer en trois pages quoi, ce que ça signifiait, parce que c'était effectivement une situation importante à comprendre pour celui qui se trouve à l'extérieur. Enfin, le fait d'être algérien, qu'est-ce que ça signifie ? Et qu'est-ce que ça signifie dès qu'on sort du ventre de sa mère jusqu'au bout ? C'est vraiment une recherche qui commence mal généralement. C'est une recherche d'identité. Oui, et pendant plusieurs siècles, bon, même on peut dire des millénaires, l'Algérie a été perpétuellement envahie, toujours détournée de sa formation en tant que nation, par le déferlement d'empires, de dynasties qui se sont succédées. Enfin, c'est plein de ruines, l'Algérie, c'est pas seulement les Romains, mais sur les Vandales, enfin, inutile de les énumérer. Mais de mémoire d'Algérien, on peut dire que seuls ceux qui habitent les montagnes, vraiment, ou le désert, ceux qui sont restés imperméables à toute pénétration étrangère, seuls ceux-là ont peut-être pu se faire une idée de l'Algérie. Mais les autres n'en avaient qu'une idée vraiment très, très vague. C'est-à-dire que l'Algérie, en tant que nation, n'existait pas encore, tout en ayant existé, ou presque existé, et rien ne semblait indiquer qu'elle pût exister immédiatement. Ça, surtout pour nous, les jeunes étudiants. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait énormément de choses.
ne serait-ce qu'à apprendre notre histoire, par exemple, de connaître notre culture, combattre contre la dépersonnalisation de l'Algérie, combattre les mythes coloniaux, etc. Alors, tout ça a été dit et c'était très simple. Bon, et au moment où cette activité devenait passionnante pour moi, je suis tombé amoureux d'une cousine, comme il se devait. Là, c'est toujours le poète tribal qui remonte à la surface. D'ailleurs, beaucoup de gens chez nous tombent amoureux de leur cousine, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais enfin, c'était la grande passion. La grande passion qui a duré près d'un an. Elle s'appelait comment ? Elle s'appelle Nejma. Je ne veux pas préciser davantage, mais enfin, elle s'appelle Nejma. Même pour moi, maintenant, elle ne s'appelle plus autrement que comme ça. Cette chose a été très riche aussi, parce qu'il y avait une contradiction. Évidemment, lorsque, en tant que poète, on découvre une chose comme l'amour, bon, évidemment, ça mène très loin. Mais d'un autre côté, il y avait l'action politique, qui supposait un certain réalisme, qui supposait que même jeune, j'avais 16 ans, il fallait que je me conduise comme un homme, et que je ne sombre pas dans le gouffre de la passion, corps et âme, mais que je continue, en même temps, à être actif, à militer, ce qui était vraiment très difficile. Lorsque je perdis l'Andalouse, je ne pus rien dire. J'agonisais sous son souffle. Il me fallut le temps de la nommer. Les palmiers pleuraient sur ma tête. J'aurais pu oublier l'enfant pour le feuillage. Mais Nejma dormait, restait immortelle. Et je croyais toucher ses seins déconcertants. C'était à Beaune, au temps léger des jujubes. Nejma m'avait ouvert d'immenses palmeraies. Nejma dormait comme un navire. L'amour saignait sous son cœur immobile. Nejma, ouvre tes yeux fameux. Le temps passe. Je mourrai dans 7 et 7 ans. Ne sois pas inhumaine. Fouillez les plus profonds bassins. C'est là qu'elle coule, quand ses yeux ferment les nuits comme des trappes. Coupez mes rêves tels des serpents. Ou bien portez-moi dans le sommeil de Nejma. Je ne puis supporter cette solitude. Il y avait un conflit, bien sûr, entre... D'ailleurs, il y a toujours ce conflit, enfin, entre... Ce conflit qui n'en est pas un, si on, une fois résolu. Mais au départ, ça en est un. Parce que la femme et la révolution, bon, sont difficiles à concilier. Surtout au départ, quand on découvre les deux. Quand on est au paroxysme du sentiment, d'un point de vue. Et puis quand on est aussi au paroxysme de l'enthousiasme, quoi, de l'autre point de vue. Bon, il fallait effectivement sacrifier l'un à l'autre. J'ai donc sacrifié Nejma à la révolution et j'ai rompu. Je suis parti et c'est alors que je suis venu en France. Alors ici, j'ai commencé une toute autre vie, parce que d'abord, je ne suis venu en France que parce que je me rendais compte qu'en Algérie, il n'y avait pas de possibilité d'expression, il n'y avait pas de possibilité d'édition pour moi. Et je voulais me faire connaître ici, parce que je me disais, la gueule du loup, c'est Paris, et c'est pas la peine de, bon, comme on dit, enfin, plutôt que de s'adresser au prophète, allons tout droit au bon Dieu, et je suis venu ici. Ben, ça a été évidemment très dur au début, parce que je suis arrivé sans argent, mais... J'ai tout de suite été recueilli par un vieux compatriote, enfin, au château des Rentiers. Oui, c'est là. Bon, il n'y a pas de château, il n'y a plus de château, il n'y a plus de Rentiers, mais voilà la rue. Et comment c'est une rue où il y avait beaucoup de cafés algériens. Et c'est là qu'un vieux compatriote m'a recueilli à l'âge de 18 ans, alors que j'étais sans le sou à Paris. Tu débarquais, quoi ? Débarqué, j'ai vécu 8 mois à peu près, dans une cave. Au départ, j'étais écrivain public. Ah, ça vous semble bon. Mais écrivain public, c'est formidable, parce que, évidemment, ayant été recueilli par ce compatriote, la plupart des clients du café et du dortoir étaient analphabètes. Et il fallait leur écrire leurs lettres. Alors, en écrivant ces lettres, je découvrais, parce que c'est formidable, on devient le confident, là. Parce qu'il n'y a pas seulement des histoires courantes, il y a des histoires... Il faut voir le paysan avec toute sa pudeur, etc. Bon, quand il vous confie ça, à ce moment-là, vous devenez son frère. Il n'y a plus... Je me suis fait d'ailleurs une foule d'amis comme ça.
Et puis, le côté un peu Cyrano de Bergerac, je faisais des lettres d'amour aussi, bon, tout quoi. Tout. Et puis, accompagner les travailleurs à l'usine, puis ensuite leur lire les journaux, leur apprendre des choses avec eux. C'est bien ça que je me souviens justement que dans cette région, oui, il y avait un émigré qui ne pouvait descendre à sa station de métro que grâce à un chat qui était dessiné, un chat, une marque de publicité, je ne sais pas quoi. Et puis un jour, dans le métro. Oui, dans le métro, c'était ça. Pour lui, c'était ça la station où il devait descendre. C'était le chat. Oui. Bon, mais un jour, on a changé l'affiche. Il n'y avait plus de chat. Alors, il était perdu. Il ne savait plus où descendre. Oui, bon, tu vois un peu ce que c'est que la vie de l'immigré lorsqu'il arrive complètement. Non seulement il est dépaysé, mais désarmé totalement. Et oui, il faut qu'il se débrouille. Alors, il y en a qui, enfin, c'est justement là que le génie inventif du peuple se donne libre cours, quoi. Comment ils se sortent d'affaires chaque jour à mille détails. Je sais pas, moi, une fois, par exemple, Gare de Lyon, enfin, oui, bon, c'est un peu comme ici. Oui. Gare de Lyon, je me souviens d'un immigré qui était descendu pieds nus, oui, de la gare, carrément, comme ça, comme un paysan de chez nous. Ah, qui arrivait de là-bas pieds nus, quoi. Pieds nus, avec un sac en peau de chèvre sur le dos. Enfin, bon, un paysan comme ça. Oui. Et puis, alors, on le sentait devenir montagne lui-même pour résister à ce monde moderne qui, enfin, auquel il ne s'attendait pas du tout. Ouais. Puis alors la façon dont il est descendu, enfin, la façon dont il a traversé la gare, dans cette foule, enfin, la foule des gares. Oui. Où il y avait d'ailleurs beaucoup d'Algériens, mais lui c'était le plus représentatif. Oui, c'est oui. Vraiment, c'est lui qui était sorti du volcan. C'est ça. Et puis il fallait le voir sortir de la gare, voir les feux rouges, tout ça, et puis malgré tout, prendre sa résolution, et puis s'avancer comme ça, comme une montagne qui marche. Ah bon, alors j'ai couru derrière lui, je lui ai demandé où il allait. Oui. Et il m'a dit, je vais voir mon oncle. Son oncle. Oui, bon, mon oncle, alors. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a une véritable géographie tribale de Paris, tu vois, par famille, par... Des tribus entières. Ici, par exemple, ici, dans le 13e arrondissement, oui, place d'Italie, oui, c'est la petite Kabylie. En 1950, à la mort de mon père, j'ai abandonné le journalisme et je suis devenu docker à Alger. Ensuite, je suis tombé en chômage et je suis revenu en France. Ça, c'est le 3e séjour. Alors, au cours de ce 3e séjour, évidemment, j'ai eu un avant-goût, si on veut, de l'exil. Parce que l'exil total, je l'ai connu bien plus tard. Pendant des années, il fallait bon, travailler parce qu'il y avait une famille en Algérie à nourrir. Et puis, d'autre part, il y avait le démon intérieur de la poésie, de la littérature, qui continuait à me travailler. Et il fallait donc essayer d'être publié. J'ai eu la chance de rencontrer des amis ici, de me faire des amis. Je ne les cite pas parce qu'ils sont nombreux, mais enfin, c'est grâce à ces amis, finalement, grâce à leur aide personnelle, que j'ai pu vivre et écrire. Donc, terminer, presque coup sur coup, Le cadavre encerclé, Nejma. C'était en 1955, par là. L'insurrection venait d'éclater. Et il m'est devenu de plus en plus difficile de rester en France. Alors je suis parti en 1957. C'est alors qu'a commencé le véritable exil. Parce que tant que j'étais ici, je pouvais encore voir des Algériens. Il y en a beaucoup. Je n'étais pas réellement en exil. Mais lorsque je me suis trouvé en Italie, par exemple, pour la première fois, je suis resté 8 mois sans voir l'ombre d'un Algérien. Bon, là, c'était, d'autre part, apprendre une autre langue et tout ça. Ça commençait déjà à être un peu l'exil, le vrai. Ensuite, en Allemagne, c'était encore beaucoup plus difficile. Je passe sur les différents pays. Et puis, bon, on arrive à l'indépendance de l'Algérie. Folle espérance de tous les Algériens, d'abord de rentrer dans leur pays et d'y trouver à vivre, d'y trouver du travail. Maintenant, au fil des années, je peux dire que j'achève une vie d'émigré, si on veut. Que j'achève une vie d'émigré dans la même incertitude que le travailleur qui vend ses bras. Parce que l'Algérie est encore aliénée sur le plan culturel. La culture algérienne ne s'est pas encore construite. Et pour la construire, il y a des orientations à prendre, il y a une politique à définir. Nous sommes au cœur du problème, là. Alors bon, maintenant, je continue, par exemple, dans le théâtre, je continue à essayer de créer des pièces de théâtre. Ici et à Alger.
Parce que un problème qui semble inexistant, mais qui est énorme, c'est que j'écris en français, on me crée le plus souvent en français, mais mes auditeurs, mon public, ce sont des gens de langue française, ce qui fait à peu près, dans toute l'Afrique du Nord, au grand maximum, 10 000 personnes. Bien, je veux sortir de ce cercle de lecteurs privilégiés, je veux sortir de ce cercle de 10 000 lecteurs, et je veux trouver mon public naturel. Le trouver, ça veut dire pouvoir s'exprimer librement, être édité, etc. Et voilà que la contradiction, loin de se résoudre, devient encore plus cuisante pour l'écrivain. Parce qu'il a un éditeur français, il a des lecteurs français, il a un gouvernement algérien, et il a un peuple algérien. Il faut naviguer entre ces quatre écueils. Bon, écueil, pas pour le peuple. Le peuple, lui, n'est pas un écueil. Mais enfin, il l'est dans la mesure où, pour le moment, il n'est pas inséré. C'est-à-dire, le peuple n'intervient pas encore dans le combat. Et il faut ouvrir une voie pour s'en faire un allié, pour aller vers lui. Et il y a un obstacle, un double obstacle matériel, moral et politique. Alors, c'est dans cette difficulté-là que se débat l'écrivain algérien. Naturellement, il y a des choses, il y a de curieuses choses. Par exemple, le facteur aliénant au départ, c'est-à-dire écrire en français, devient maintenant une position de force. Parce que, m'appuyant sur mon éditeur français, je peux faire passer ici, dans la presse française, des choses que je ne pourrais pas faire passer ailleurs. Par conséquent, c'est d'ailleurs très, très intéressant, au fond, ce qui prouve qu'on ne peut pas aliéner un peuple par la culture. Une langue n'est pas aliénante, une culture ne peut pas être aliénante. Alors, malgré tous les efforts qu'on a faits pour nous franciser, en fait, la culture française nous ramène à nous-mêmes. Et de toute façon, quand on est à Paris et qu'on s'exprime dans la langue française, ça porte aussi sur le peuple qui nous a aliénés. Parce que ce peuple est aliéné lui-même. Et ça nous ramène à la parole de Marx, un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Bon. On peut dire qu'une grande partie, des avatars de la culture en France dépend de cette aliénation, est liée à cette aliénation. Par conséquent, le combat est le même. Le combat est le même. Et ici, en quelque sorte, les mêmes choses par lesquelles on a prétendu nous enchaîner nous libèrent. Ça, c'est un espoir. C'est un espoir qui n'a rien d'absurde. Parce que, en fait, maintenant, et de plus en plus, la décolonisation ne se fait pas en parole, elle se fait dans le choc entre ces peuples. Dans le choc entre, disons par exemple, cette masse d'esclaves des temps modernes qui balayent les rues de Paris et qui font Paris, qui le construisent, et le peuple français. Alors, de génération en génération, on s'aperçoit des progrès. Si je remonte à il y a 20 ans, c'était l'indifférence. C'était vraiment l'indifférence. Le problème n'était pas posé. Maintenant, il se pose. Et comme par hasard, il s'est posé un jour, il n'y a pas très longtemps, à la fin de l'année, je crois, c'était même le premier jour, le jour de l'an même, si je me souviens bien, quand on a trouvé cinq Africains asphyxiés. Bon, un jour comme ça, c'est tombé sur les téléscripteurs, ça a été la première nouvelle qui a frappé la France entière. Bon, ce n'est déjà plus l'indifférence. Et puis le problème a pris toute son ampleur, parce que ce n'est plus seulement l'Algérie, c'est toute l'Afrique, une partie de l'Europe qui apparaît dans son sous-développement, et puis une autre partie de l'Europe qui apparaît dans son monstrueux développement, dans son développement inégal. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que nous sommes au cœur d'un volcan. Nous vivons vraiment, il n'y a pas de doute, certains dorment même, mais nous vivons sur un volcan. C'est ce volcan qu'il faut exorciser, et de ce point de vue, il y a, pour l'écrivain, lorsqu'il est placé dans une actualité, dans une situation, il n'y a plus de problème pour lui d'écriture. Son œuvre se fait, elle est faite. Mais il y a la tragique réalité qui ne s'est jamais posée aux écrivains, parce qu'on n'a jamais voulu qu'ils puissent même la poser,
la condition matérielle de l'écrivain. De qui dépend-il? Qui le vend? Qui l'achète? Bon, c'est ça. Alors, un bouquin qui se vend 2000 balles, bon, l'auteur, on lui donne 10%, bon, les autres prennent 33% par là, 33% par ici. Bon, voilà déjà, vous voyez ce que c'est qu'un écrivain, c'est un aliéné. Seulement, c'est un aliéné vaniteux ou bourgeois. Alors, quand il est bourgeois, il a presque honte de se poser des problèmes pareils. Et puis, même s'il ne l'est pas, avec la vanité, le fait d'être écrivain, de pouvoir même se dire écrivain, ça noie le problème. Nous sommes en fait, enfin, la culture, la poésie, toutes ces choses-là sont menacées de mort à l'heure actuelle. Et sont en train de mourir. Alors, on ne voit pas bien les choses dans la presse, on ne voit pas se décanter les choses. Mais nous, on les voit très bien. Ceux qui font du théâtre ou du cinéma ou ceux qui font des journalistes voient très bien à quel point l'aliénation est grave. Et à quel point la culture, pour passer, ou des choses même très simples, de la simple vérité de tous les jours, pour s'affirmer, ont besoin de prodiges de cabrioles souvent infamantes, enfin désolantes. Nejma est un amour de jeunesse. Dans votre œuvre, elle représente l'Algérie. Qui est en définitive Nejma? Bien sûr, on ne peut pas expliquer. Il faudrait que je me mette à réécrire Nejma si je devais vous l'expliquer maintenant. Parce que le symbole a l'air facile, comme ça, une femme, c'est l'Algérie, mais ce n'est pas si facile à expliquer. En tout cas, on peut dire que Nejma, au fur et à mesure que je l'écrivais, ce livre, c'était effectivement un livre à la recherche d'une femme et d'un pays. Il n'est donc pas étonnant que la femme ait incarné le pays. Mais ce n'est pas ça qui va vous donner une idée de la richesse de l'œuvre. Je crois que ce qu'il faut là, c'est, malheureusement, il faut le lire. Il n'y a aucune théorie à faire là-dessus, il faut le lire. Et c'est seulement en le lisant qu'on voit se dégager le symbole, parce que le symbole est très fragile. Enfin, en appuyant lourdement sur tel ou tel aspect, on détruit une nuance, et un symbole, ça se saisit dans un équilibre très fragile qui est donné par l'écriture. Alors, bon, pour moi, je ne vous apprendrai rien d'intéressant si je vous disais que Nejma, je vivais avec elle tous les jours. Si je prenais le tram, je la voyais sortir de la mer devant moi. Bon, c'est vrai, c'est obsessionnel. Bon, quand on porte une œuvre et qu'on veut vraiment aller loin, ça devient obsessionnel. Et naturellement, je voyais Nejma partout. Je voyais Nejma partout. D'autant plus que je n'étais pas seulement amoureux. J'étais aussi... ou si on veut, j'étais amoureux non seulement de Nejma, mais du pays. Du pays tout entier qui était son pays, notre pays, mon pays donc. Bon, c'est ça. C'est-à-dire que l'amour, effectivement, l'amour, bon, le fait d'être embrasé d'amour pour une femme, permet, dans ce même amour, enfin, de saisir, là, tout un peuple. Parce qu'il se trouve que les deux choses se passaient en même temps. Nejma mangeait des fruits malsains à l'ombre des broussailles. Un poète désolait la ville, suivi par un chien sournois. Je suivis les murailles pour oublier les mosquées. Nejma fit un sourire, trempa les fruits dans sa poitrine. Le poète nous jetait des cailloux devant le chien et la noble ville. Et les émirs firent des présents au peuple. C'était la fin du Ramadan. Les matins s'élevaient du plus chaud des collines. Une pluie couvrait le ventre des cactus. Nejma tenait son coursier par la bride, greffait des cristaux sur le sable. Je dis, Nejma, le sable est plein de nos empreintes gorgées d'or. Les nomades nous guettent. Leurs cris crèvent nos mots ainsi que des bulles. Nous ne verrons plus les palmiers pousser vers la grêle tendre des étoiles. Nejma, les chameliers sont loin et la dernière étape est au nord. Nejma tira sur la bride. Je scellais un dromadaire musclé comme un ancêtre. Alors la femme, là, renvoie au pays, bien sûr. D'autant plus que c'est la partie sacrifiée, cachée du pays. Alors, bon, lorsque l'amour se produit, à ce moment-là, il a tendance à prendre, enfin, pour moi, il a eu tendance à prendre la femme pour noyau.
même quand elle n'était pas présente, même quand elle n'était pas présente, elle est d'autant plus présente, d'ailleurs. Et c'est justement cette, c'est ce qui fait que, bon, très souvent, vu de, par exemple de l'Occident, on imagine la condition de la femme d'une façon fausse. Parce qu'on ne voit que son aliénation économique, bon, et sociale, mais on n'imagine pas sa présence. Or, une femme ne peut pas être exclue. C'est impossible. La femme ne peut pas être exclue d'aucune société. Ce qu'il y a, c'est que la présence de la femme algérienne est autre. C'est une présence cachée, occulte, qui agit d'ailleurs avec force. Et qui d'ailleurs, enfin bon, si on fouille bien, alors là c'est affaire de psychiatre, si on fouille bien, on trouve chez tout Algérien une prédisposition à une espèce d'amour coupable même. Parce qu'on est coupable vis-à-vis de sa mère. Déjà lorsqu'on est tout petit, on se conduit avec sa mère comme un tyran. On veut la posséder exclusivement pour soi. On veut s'en faire aussi le défenseur et le gardien. Il y a l'honneur, il y a toutes ces vertus ancestrales, bon, tribales, qui ont un côté positif, mais qui, de toute façon, lorsque l'homme est conscient et qu'il sait que sa mère est sacrifiée, qu'il comprend que ses sœurs vont l'être, et qu'il n'y a pas d'argent pour que ce ne soit pas toujours ainsi, il se sent coupable. Bon, et de la culpabilité à l'amour, il n'y a pas loin, déjà. Nejma a une mère française. Oui, alors là, il y a toute une symbologie. C'est-à-dire qu'en voulant, en quelque sorte, en donnant à Nejma une mère française et des origines juives, j'ai voulu montrer les deux extrémités du compas. C'est-à-dire que l'Algérie a des origines à l'infini, enfin, a des origines très riches. De même qu'on ne pouvait pas dire Algérie française, de même on ne peut pas dire Algérie arabe ou Algérie musulmane. L'Algérie tout court, c'est beaucoup plus vaste que tout ça. C'est cette Algérie tout court, bon, qui est le mystère. C'est pour ça que Nejma vous renvoie aux ancêtres. Bon, Nejma renvoie aux ancêtres pour moi, parce que n'oubliez pas que je suis le produit d'une société tribale. Et que par conséquent, le cousin chez nous a toute une résonance qu'ici. Ici, il a perdu cette charge affective qu'il a encore là-bas. Pourquoi ? Parce que la tribu est un monde familial. La tribu, c'est une grande famille. Et immense. Et Nejma appartenant à ce monde-là, il est tout naturel qu'elle me renvoie aux ancêtres. Parce que finalement, Nejma est prise entre la tribu et la nation. Bon, les quatre militants qui sont tous les quatre amoureux d'elle, et qui sont des amis d'ailleurs, qui sont des militants, bon, ont pour mission, même s'ils ne savent pas, de l'amener à la nation, de l'amener à la vie nouvelle. Mais par contre, elle n'est pas, elle, de son côté, ne se sent pas armée pour cette vie. Elle ne peut pas vivre la vie de la nation encore. Elle est dans ce drame, justement, de ne pas pouvoir y arriver. Alors, bon, cet amour aboutit à une rupture, forcément, bon, à une multiple rupture. Et on voit Nejma qui repart vers la tribu sous la conduite d'un vieux nègre. C'est pas pour rien, le vieux nègre, c'est l'Afrique. Parce qu'en Algérie, nous sommes en Afrique. Et ce n'est pas pour rien que j'ai écrit tout ça. Si ça a coulé, enfin, c'est que effectivement des ancêtres écrivaient par moi, bien sûr. Nous sommes le produit de nos ancêtres. Mais alors nos ancêtres chez nous ont une dimension, enfin, encore très grande, parce que nous sommes tout à fait au début de la nation. Enfin, et qu'avant la nation, il n'y avait pas d'autres supports. Je me souviens quand j'étais jeune, par exemple, et que je cherchais qu'est-ce que c'est que l'Algérie. Bon, quand je voyais qu'on était pratiquement devenu français, que tout se faisait en français, ça semblait complètement idiot, ça semblait foutu. Eh bien non, qu'est-ce qui faisait, par exemple, que je me précipitais sur des bouquins parlant d'Abdelkader, ou que je me passionnais pour les anciens, etc. Alors, là, c'était ça la branche, enfin, le tronc. D'ailleurs, le tronc de la nation, c'est la tribu. Mais je me suis rendu compte, maintenant, avec le recul, que une scène, enfin, qui revient souvent lorsque je pense au passé, une scène qui revient, c'est je me vois vraiment presque frappant ma mère et l'obligeant à mettre son voile. Parce que c'était la marque de la virilité, il ne fallait pas que des hommes voient ma mère. Bon. Maintenant, je me rends compte à quel point c'était stupide et à quel point le poids de ce que faisait mon père, de ce que je faisais moi, et de ce que faisaient tous les autres hommes autour de ma mère,
ses frères, son père, etc. Maintenant, je me rends compte dans quelle prison elle vivait. Et elle vit encore. Bon, et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, chez moi, bon, la prédisposition à comprendre Baudelaire était peut-être là, dans un sentiment, vraiment, dans un malaise, une difficulté vraiment à vivre, qui est rare ressentie au stade de l'enfance, comme ça. Mais moi, je me souviens très bien que ce n'était pas seulement l'ennui d'un écolier. C'était plus grave, beaucoup plus grave. C'est un monde oppresseur, un monde où on se sent, où on sent le poids, de non seulement des traditions, mais le poids d'une présence qu'on n'explicite jamais, qui est l'essentiel, en fait, mais qu'on ne s'avoue pas, et qui est proscrite dans un certain sens. Alors, ma mère, c'était ça. L'amour, ça devait être ça. Et combien de générations d'Algériens ont vécu cette vie, ont vécu ces empêchements majeurs dans la vie. Bon, sentir que, par exemple, que sa mère souffre, et la voir devenir folle, c'est une chose. Bon, d'autre part, tomber amoureux d'une femme déjà mariée, mais en fait pas mariée, vendue pratiquement à son mari, bon, c'est encore une chose. Et ce sont ces mille choses que les Algériens rencontrent au moment le plus grave de leur vie. C'est pour ça que Nejma est devenue folle dans votre œuvre. Oui, bon, dans mon œuvre, il y a cela. Il y a le fait... D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré la réincarnation de Nejma, si on veut, à Alger, c'est-à-dire une femme qui avait les deux pieds coupés, parce qu'elle a eu les pieds gelés, à cause du froid. Une femme qui a été maquisarde, tout ce qu'on veut, bon, dont le fils est devenu fou, et qui était venu à la recherche de son fils, qui avait fait 400 km pour le voir dans le centre d'orphelins. Bien, cette femme qui vraiment marche à quatre pattes, et qui fait 400 km, portée par les uns, abandonnée par les autres, elle devient folle, et son fils est fou. Et d'ailleurs, j'ai essayé de faire un film, d'ailleurs, pour montrer les deux images, elles sont insoutenables. Et c'est ça l'Algérie. C'est encore ça. Et c'est vraiment la tragédie. Alors dans La Femme Sauvage, bon, Nejma devient folle, parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. Je ne peux pas montrer... Si on veut, enfin, écrivant comme j'écrivais, étant ce que j'étais, elle ne pouvait finir que folle ou assassinée. D'ailleurs, elle est folle et elle est assassinée. La mort de l'être aimé, bon, vous voyez très bien ce que c'est pour le poète. Ce n'est pas difficile à imaginer. Mais je veux dire là que ce n'est pas une mort individuelle. C'est-à-dire que là, le poème d'amour se charge de significations explosives, de significations partisanes, que des Grecs, par exemple, autrefois, auraient pu comprendre. Par exemple, Hélène, c'est un peu Nejma. Alors bon... De toute façon, si je devais faire le tour des influences, enfin, même extérieures, bon, après Baudelaire, il y a eu Rimbaud, bien sûr, il y a eu L'Autre-Amant, il y a eu beaucoup de, bon, pour ne parler que de la littérature française, bon, il y a eu Dostoïevski, il y a eu beaucoup de choses, mais il y a eu Mayakovsky, enfin, mais je crois que à la fin, il y a eu Faulkner, chose étonnante, il y a eu Faulkner. Bon, Faulkner apparemment est très loin de moi, parce que Faulkner, bon, c'est un blanc américain vivant dans le sud, apparemment c'est très loin. Et pourtant, en lisant son œuvre, enfin, j'étais vraiment fasciné, à tel point que ça se sent, même dans ce que j'ai écrit à certains moments, on sent une très forte influence de Faulkner, parce que c'est le même monde. Mais alors, la force de Faulkner, c'est que il écrit comme un nègre, il est capable de se mettre dans la peau d'un nègre, ce que rarement font les écrivains blancs. Et alors, bon, tout ce monde du Sud, ce monde qui est encore primitif, d'ailleurs, bon, qui m'est étranger dans un certain sens, mais que je peux facilement retrouver,
même dans sa religiosité, je ne sais pas, le Baudelaire puritain, disons, mon grand-père était un peu comme ça. Et toutes les vertus qu'on défend, bon, les vertus familiales, et tous les drames de la terre, la façon de faire parler le pays, chez Faulkner, la tragédie, réellement, la tragédie de l'homme blanc, enfin, entre guillemets, vivant sur une terre à laquelle il appartient, il se sent appartenir de toutes ses fibres, parmi des Noirs qu'il aime, bon, chez lesquels on trouve les seuls personnages de Faulkner qui ont vraiment des vertus qui dépassent le cadre habituel, c'est des nègres, généralement. Même quand parfois il y a de la haine, parfois il y a des relents de haine qui sortent, par exemple dans Christmas, le nègre assassin, bon, on sent l'écrivain qui le charge, qui essaye d'en faire un monstre, qui vraiment se débat avec son personnage au corps à corps, et il en sort encore plus grand. Et finalement, on sent bien que dans Faulkner, le mot dernier, c'est la complicité avec le nègre. Ce n'est pas le refus. Chose qui n'est pas dans Camus, par exemple. Tradition orale, tradition écrite. Comment concevez-vous le développement de la culture algérienne actuellement ? Pour ce qui est des traditions orales, enfin, ce sont évidemment les plus importantes. C'est la mémoire collective du peuple, quoi, qui a gardé vraiment un très riche contenu. Seulement, ce contenu se perd, et puis en plus, il est menacé d'être déformé, il l'est tous les jours. Dans la mesure où on ne l'a pas maîtrisé, où on ne s'y intéresse pas, c'est un exemple. Enfin, je crois qu'il y a eu une écriture autrefois, nos ancêtres ont possédé ces ancêtres qu'on appelle berbères, que les Romains appelaient barbares, c'est-à-dire les Algériens, de toujours. Cela, il est possible qu'ils aient écrit même avec leurs pieds sur le sable. Ce n'est pas impossible du tout, puisque le phénomène de l'alphabet, c'est la vie, quoi. C'est la vie qui détermine la culture, la langue, c'est la vie du peuple. Or, notre peuple, bon, pour des raisons que j'ai effleurées tout à l'heure, bon, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été lui-même, il a toujours été envahi, bien, il a toujours été, en quelque sorte, dépossédé de cette culture. Et cette culture se déforme. Il y a actuellement une querelle, une fausse querelle que cherchent les arabisants purs, c'est-à-dire ces messieurs qui veulent s'en tenir au Coran et à l'ancienne littérature, à la forme, une espèce de latin. Bon, ils ne veulent pas admettre que le vrai arabe, c'est l'arabe populaire, c'est celui que parle le marchand de légumes. Et le marchand de légumes a plus de génie que le mandarin. Parce que le génie est dans la vie, il n'est pas ailleurs. Et le génie de tout un peuple, c'est quelque chose. Quelque chose qui fait peur, évidemment. Qui fait peur, mais il faut aller à la recherche de ça. Alors nous avons beaucoup de choses comme ça. Nous avons, par exemple, de grands poètes, de très grands poètes, que les chanteurs, à l'occasion des marchés, ou bien à l'occasion des veillées, qui sont connus de bouche à oreille. Maintenant, il y a les dangers il y a les dangers graves d'ailleurs, de l'altération et de la censure sociale. Parce que certaines choses, finalement, lorsqu'elles sont créées, sont pures, mais lorsqu'elles sont transmises, elles s'alourdissent de tous les conformismes d'usage, enfin, et à la fin, elles sont même menacées de perdre leur sens. On a connu ça même avec la poésie arabe elle-même. La poésie arabe n'a jamais été aussi grande que quand elle était anti-islamique et quand elle ne s'intégrait pas dans un ordre établi. Lorsqu'elle était vraiment libre, entièrement libre. D'ailleurs, la poésie, il n'y a rien à faire. Elle ne peut absolument pas être... Elle ne peut pas s'exprimer pour l'ordre établi, quel qu'il soit. Parce qu'en elle-même, elle est toujours subversion. Elle est toujours, dans la mesure où elle est recherche d'une vérité non dite, dans la mesure où elle est recherche même, elle ne s'embarrasse absolument pas de plaire ou de déplaire, ou d'être dans la ligne ou pas. C'est une recherche en soi absolue. Alors, à plus forte raison, le langage, c'est-à-dire la façon dont l'homme s'exprime, ce qu'il distingue du singe avec le travail, bon, c'est quand même une chose absolument fondamentale, ça. Si on ne saisit pas la langue à son jaillissement, on ne peut pas avoir une vraie poésie. Et c'est pourquoi l'Algérie est un pays qui a une vraie poésie, très riche, mais non écrite. Alors maintenant, nous arrivons à une phase où il faut l'écrire, l'enregistrer, en quelque sorte la conserver, mais pas la conserver dans un musée, pas la conserver dans une forme figée. D'ailleurs, elle n'a jamais eu de forme figée.
Il faut justement retrouver ce style de travail collectif. Puisque nous, notre drame, nous, c'est que pour notre histoire, par exemple. On a toujours écrit notre histoire. Il y a des milliers de volumes écrits, par exemple, en France, sur nous. Mais nous, nous n'avons jamais écrit sur nous-mêmes. Et c'est très grave d'apprendre son histoire par les autres. Bon. Mais nous n'avons pas actuellement les moyens. Il faudrait, je ne sais pas, 4 générations d'historiens ou 10 pour faire une histoire de l'Algérie comme celle de la France, c'est-à-dire cohérente, avec toutes les sources, etc. Nous ne pouvons pas faire ça maintenant. Mais ce que nous pouvons faire, c'est utiliser les moyens modernes, les moyens audiovisuels modernes, pour capter ça dans le peuple, avec des chercheurs suffisamment rigoureux, pour vraiment faire les corrections qui s'imposent, vérifier, confronter, etc. Votre dernière pièce, L'homme aux sandales de caoutchouc, est inspirée par le Vietnam. Comment l'intégrer dans la culture algérienne ? Ah, ça c'est une chose très simple. Justement, l'homme n'est rien, enfin, tant qu'il n'ose pas être un homme. Or, les Vietnamiens ont osé, les premiers, être des hommes. Alors, pour nous qui étions des hommes asservis, pour lesquels il n'y avait aucun espoir, qui depuis un siècle étions vraiment aux genoux des autres, voir les Vietnamiens se lever pour les Algériens, ça a été vraiment... La preuve, c'est que le 1er novembre 1954 est venu quelques mois après Dien Bien Phu. Ça a été de soi. Et le plus beau, c'est que les cadres de la guerre de libération, même frustes, même à l'état de mercenaires, puisqu'ils étaient dans l'armée française, quand ils ont déserté, ou même s'ils n'ont pas déserté à la fin de la guerre, au Vietnam, tout droit, ils ont été dans les maquis. Donc il n'y a rien de plus facile à comprendre. C'est le Vietnam, effectivement, qui est la grande lumière pour nous actuellement. Et je l'avais senti il y a 20 ans déjà, puisque j'avais commencé une pièce à ce moment-là. Bon, maintenant, on voit beaucoup mieux les choses. L'homme aux sandales de caoutchouc, c'est la première pièce à laquelle je travaille. Parce que, bien que publiée, je ne la considère pas comme terminée. Et surtout parce que je m'attaque à un travail de longue haleine. C'est-à-dire que, bon, là, on touche à ma vision d'Algérien, à quoi en parler. Quoi. Bon, pour l'Algérie, à l'heure actuelle, il y a deux pôles d'attraction. C'est le Vietnam et la Palestine. Eh bien, je crois que, du moins, lorsque je me place sur le plan purement algérien, bien sûr, ça n'empêche pas qu'à d'autres points de vue, c'est aussi important. Mais si on veut, en partant du point de vue que je suis algérien, j'essaie, dans ces deux pièces, de montrer pourquoi le Vietnam est fort, pourquoi il est ce qu'il est. Et d'autre part, dans la seconde, qui est encore inédite, j'essaie de montrer comment le combat palestinien, le véritable combat palestinien, est engagé à l'heure actuelle. Voilà, les deux pièces, c'est Vietnam et Palestine. Je crois que pour le Vietnam, c'est une chose très très importante que de vivre leur tragédie avec eux, et naturellement le théâtre est un bon moyen pour faire vivre cette guerre avec le peuple vietnamien. Alors évidemment, là, mes moyens sont nouveaux. Le public sera surpris parce qu'il y a un changement considérable. Mon théâtre devient beaucoup plus direct, il devient beaucoup plus directement politique, et c'est un tournant dont je suis heureux pour ma part, et d'autant plus qu'il m'a aidé, en quelque sorte, ce tournant m'a aidé à mieux voir la deuxième pièce, c'est-à-dire, la deuxième pièce, c'est une toute autre façon de procéder. Je prends, si on veut, une espèce de Mao Tse-Tung comique. Bon, ça va vous paraître étrange, mais je prends un Mao Tse-Tung inconnu, c'est-à-dire un Mao Tse-Tung homme de la rue, mais au lieu d'en faire le personnage politique sérieux, comme on le voit toujours, le militant, comme on se le représente, au contraire, je le montre avec une espèce d'innocence, de fraîcheur, d'une part, quand il est jeune, et puis, finalement, dans une espèce de combat qui commence de façon solitaire. Parce que dans les conditions de l'Orient arabo-musulman, à l'heure actuelle, les Mao sont des gens encore solitaires. Parce que le combat est très difficile. Nous sommes, par rapport à ce qu'était la Chine, nous ne sommes même pas au mouvement de mai, par exemple, avant la fondation du Parti communiste chinois, etc. Nous sommes vraiment à une période où tout commence très difficilement. C'est une germination difficile qui se fait. Et il est important de faire entrer le comique là-dedans, parce que c'est un moyen de libération extrême. Alors, donc, le personnage, le balayeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est Ho Chi Minh d'un certain côté, vu d'une certaine façon, c'est Ho Chi Minh, vu d'une autre façon, c'est un balayeur comique, qui est à la fois juif et arabe. C'est les deux prophètes balayeurs, Mohammed et Moïse, bon, qui balayent ensemble sur la Terre Sainte, et c'est l'histoire de leur conflit
qui débouche sur leur unité de combat. Voilà. Bon, alors dit comme ça, évidemment, ça n'apporte rien. Il faut dans quel but vous réduisez les grands hommes de l'histoire ? Je ne crois pas que ce soit une réduction. Je crois que c'est un enrichissement, au contraire. De les voir comme ça, c'est beaucoup mieux, parce que finalement, les gens se représentent très mal ce qu'on appelle les grands hommes. À l'heure actuelle, bon, quand on parle, ne serait-ce que de Staline, pourtant, qui était vivant il y a peu de temps, qu'est-ce que c'est pour les gens Staline ? Finalement, c'est devenu peu de choses. Mao Tse-tung, même, alors qu'il est encore vivant, et même Ho Chi Minh, bien que, alors lui, enfin, voilà, c'était un homme extrêmement présent, même lui, on finissait par ne plus très bien savoir ce que c'était, et par en faire une idole. La preuve, c'est qu'il a toujours refusé, enfin, il a toujours refusé une statue, etc., mais à peine était-il mort que la tentation était là et qu'on lui érigeait des statues. Justement, ces grands hommes, alors il y a une fausse façon d'admirer Mao Tse-tung, c'est d'en faire le grand chinois immuable, et il y a une façon fraternelle d'admirer Mao Tse-tung, c'est d'en faire un balayeur comique, tout simplement. Il n'y a pas là de réduction, mais au contraire, une remise en circulation, une résurrection. En quoi il est comique ? Il est comique parce que le comique, dans une certaine mesure, est un acte de destruction nécessaire. Aussi nécessaire que le tragique en tant que préparation de cette destruction. C'est-à-dire que le comique, lorsqu'un personnage devient comique, ça veut dire qu'au degré de la conscience, il est déjà capable d'être deux et trois, il s'est déjà dédoublé, il n'adhère plus à son drame, il n'adhère plus à sa façon de vivre de façon plate, il n'est plus réduit à vivre sa tragédie sans recul, mais au contraire, d'ailleurs on n'est jamais si comique que dans une situation tragique, Charlot par exemple. Et au fond, c'est toujours le même homme qui est en question, il n'y a pas de doute. Mais c'est une autre facette de l'homme. Moïse le prophète, Mohamed le prophète, qu'est-ce que c'est pour vous ? Eh bien, en disant que ce sont des balayeurs, je montre bien. Pour moi, ce qu'il y a d'essentiel chez les prophètes, c'est précisément ce qu'on a tué en eux, c'est-à-dire leur humanité. Les prophètes tels qu'on les adore sont des cadavres embaumés qui ne sont absolument plus rien. Ce ne sont pas ceux-là, les prophètes. Les vrais prophètes, ils sont balayeurs. Alors il ne faut pas seulement les voir dans le geste de balayer, mais il faut voir aussi qu'ils portent la parole. Parce que ces hommes, ces balayeurs à proprement parler, dès qu'ils quittent leur balai, ce sont eux qui ont quelque chose à dire. Eux seuls peuvent porter sur le monde le regard qu'il faut. Parce qu'ils sont au bas de l'échelle, d'une part, ils sont au plus bas de l'échelle, donc ils portent toute la pyramide. Et tous les regards du mépris, tous les signes d'assujettissement, tous les malaises dans l'homme du XXe siècle se gavent. Mais eux, ils en vivent quotidiennement. Enfin, ce sont des hommes qui reçoivent, pour lesquels chaque coup est un crachat, chaque regard est un crachat presque. Chaque acte dans la vie est fait partie d'une espèce de combat quotidien qu'ils mènent souvent seuls, mais par multitude, quoi. Par multitude, parce qu'ils ne sont pas tous balayeurs. Parfois, ils n'ont même pas la chance d'avoir ce travail. Alors c'est cette immense humanité, quoi, qui, dans un théâtre comme celui que nous faisons, bien sûr, à Paris, etc., dans les conditions où nous travaillons, arrive très difficilement à venir au jour. Parce qu'il rencontre, alors si le simple balayeur en chair et en os rencontre déjà tant d'obstacles à vivre, à plus forte raison, il rencontre des obstacles à être représenté au théâtre, qui est en quelque sorte le sérail de la bourgeoisie, enfin, des gens pour lesquels il n'y a pas de balayeur. Ou bien il y a un petit balayeur très très petit qu'on ne voit pas. Pour un écrivain, il y a toujours la contradiction vivre et travailler. Bon, il faut vivre pleinement, il ne faut pas rester dans sa bibliothèque ni dans son bureau. Il faut aller voir les gens, être dans la rue, voyager, etc. Mais il faut aussi, au moment où on a accumulé la matière voulue, il faut aussi pondre et accoucher, quoi. Il faut se mettre dans un coin tranquille où on n'a absolument aucun ennui, enfin, bon, ne rien avoir dans la tête, être vraiment en état de pondre. Alors ça, je dois dire que ça m'est très difficile maintenant, parce que je vis, bon, le plus souvent en Algérie actuellement, depuis quelques années.
Je vis le plus souvent en Algérie et ici, en France. Mais ce sont des séjours qui sont difficiles à organiser. Parce que en Algérie, bon, j'ai tout le pays à découvrir. Dès que j'arrive, c'est un tourbillon qui me prend pendant des mois. J'en sors malade. Et ici, c'est pareil, parce que ici aussi, il y a beaucoup à faire et à voir, etc. Sauf qu'il me faudrait presque un troisième lieu, quoi, pour pouvoir travailler tranquillement. Alors, maintenant, je me retrouve dans une petite chambre, je ne sais plus où mettre le papier, etc. Bon, c'est ça, c'est le fait d'être un écrivain vagabond peut tuer l'écrivain, effectivement, à la fin. Et la révolution, bon, ne fait pas que l'inspirer, elle le tue aussi. Mais j'ai tout compte fait, il vaut mieux être dévoré par une révolution que d'ennui. Pour la première fois, je crois qu'on va me créer, enfin, on va créer l'homme au sandal de caoutchouc à Alger, au Théâtre National d'Alger. Je vais donc, pour la première fois, toucher le public algérien en langue française. Ensuite, nous allons faire une version en langue arabe. Alors, ça va me permettre déjà d'avoir mon public, mon premier public algérien, pour voir, pour le toucher de plus près. Et puis ensuite, je crois que je pourrai rester là-bas beaucoup plus longtemps pour pouvoir continuer. Et puis, surtout, c'est la rupture brutale entre les deux périodes, c'est-à-dire les deux périodes coupées par l'indépendance du pays, d'une part avant, d'autre part après, on m'impose maintenant de passer à la seconde période, c'est-à-dire de décrire l'Algérie d'après l'indépendance. Et pour la décrire, il faut la vivre. C'est-à-dire que maintenant, ça devient pour moi urgent de retourner en Algérie pour m'y établir. Mais pour m'y établir, non pas d'une façon toute bête, stable à Alger, non, mais aller au Douar et circuler. Bon, alors là, de nouveau, je ne vois pas venir encore la grande halte qui me permettra d'accoucher tout ça.